ne soyons pas naïfs de vouloir remplacer le drapeau d'un pays avec lequel nous ne nous entendons pas par le drapeau de notre pays. Non, nous devons concentrer notre énergie à élever le drapeau, les drapeaux de nos pays. Le drapeau du Burkina, le drapeau du Tchad, le drapeau de l'Afrique doivent être élevés. On n'a pas besoin de remplacer le drapeau d'un pays par un autre pays, parce que dans cette affaire-là, ce n'est pas des sentiments. Tout le monde viendra défendre ses intérêts. Les Chinois défendront leurs intérêts. Les Russes défendront leurs intérêts. Les Turcs défendront leurs intérêts. La France, bien sûr, défendra ses intérêts. Et les États-Unis défendront leurs intérêts. Et j'ai envie de dire, et c'est normal, c'est à nous, donc, Africains, de dire comment est-ce que nous nous organisons de manière à ce que, au final, nous créons les conditions pour tirer le drap vers notre côté. C'est une compétition mondiale. Et dans une compétition, vous croyez qu'il y a des sentiments? Il n'y a pas de sentiments. Les plus forts vont écraser les plus faibles. Est-ce que nous sommes en train de nous engager? Donc j'en appelle à élever le niveau d'engagement au niveau de la jeunesse africaine. Ne remettons pas plus tard ce que nous devons faire aujourd'hui. Il est déjà tard d'une certaine manière. Et arrêtons de rabâcher les choses d'hier. Demandons-nous comment aujourd'hui nous pouvons être capables de créer quelque chose de plus solide pour l'avenir. Et dans une sorte d'intelligence de partenariat, parce que le multilatéralisme et les partenariats, c'est ça. Le monde de demain, mais chacun doit tirer son épingle du jeu. C'est donc aux Africains de savoir défendre leurs intérêts. Et la jeunesse a un rôle majeur à faire là-dessus, puisque l'âge moyen des Africains, vous savez, c'est 25 ans.